Nous sommes de retour. Coucou. Avec du chocolat. Et là, vous sortez donc du cinéma, la première clé, la clé de bronze à la main. Et donc, vous êtes devant le cinéma. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que ça vous dirait d'aller à la salle d'arcade? Est-ce qu'on soit l'étape numéro 2 de Insert Coin? Ah, ça va, il lui manque un PV, ça va. Ouais. Oh, ouais, oh. Faut vraiment voir ça comme elle a pris un gros coup de poing. Il n'y a pas de... Oh, attends, allez, je vais regarder un peu si tu veux. Il te manque un PV sur 2, franchement, t'exagères pas un peu. T'étais foutu de base. Je vais regarder, je vais lui faire un test de tout vif quand même. Alors, ah, okay. Est-ce que, Basile, j'ai vu, moi, l'effet du trident? C'est bon, t'as regagné ton point de vue. T'as vu... Alors, t'as pas pu voir qu'il avait quand même fait des dégâts avant que tu coupes la bobine, puisque pour le coup, vous étiez en train de courir. D'accord. Vers le... Mais après, une fois qu'on était en haut, j'ai vu qu'elle lui avait mis un coup, que ça avait fait des trucs. Tout à fait. Après, t'as vu qu'il y avait des... Ok. Il y avait des blessures. Du coup, j'ai une question. Il y en a est-ce moins que une qui a je peux... Ah, mais j'ai pas mon épée de familiale, putain. Si Linus me prête un couteau, est-ce que je peux enchanter le couteau? Oui, tout à fait, c'est possible. Parce que dans les effets de magie, il y a Enchant a weapon, it gets plus 1 arme and plus 1 magique. En vrai, si tu le fais, c'est valable tout le temps? 30 minutes. Mais comme on va rentrer dans une salle... Bon, bah vas-y, fais-le, oui. Tu me prêtes c'est un ça, gros 30 couteau? Minutes, c'est bien. C'est un gros couteau de chasse que je te prête. Ok. Bon, ça fera l'affaire. Tu vois, Rambo, familial, c'est mais... le même. Donc pour Use Magic, il faut que je fasse plus 10. D'ailleurs, ça paraît très étrange parce que le couteau de chasse, il paraît énorme à côté de ma tête, tu vois, par exemple. Mais je le sors de derrière, tout va bien, quoi. Merde. Trop bien. Ça fait 7, 8, 9. Attends, shit. 7, 8, 9. Ah, il fallait faire 10? Ouais. Ah bah, malheureusement... Alors, attends, ça dit quoi? Choisissez l'effet sur un 7, 9, elle ne fonctionne pas totalement comme prévu. Choisissez l'effet et un pépin au gardien de déterminer la nature de ce pépin. Ah! Tu vas effectivement réussir à enchanter l'arme. Ouais. Mais tu vas voir que la magie semble un peu. La magie, c'est de la merde! Semble l'avoir un peu corrodée. C'est-à-dire que la lame semble. Non. Ah non, elle a niqué le couteau. Un petit peu plus... Ah, tu l'avais volé, ça lui, c'est pas grave. Un petit peu fissuré, non un petit peu, avec, bien, des taches de, avec des taches de rouille. Ah, Je t'en referai rien. Ok. Heureusement qu'on en a plein au manoir, hein, merde. Vous êtes du coup devant la salle d'arcade. Ouais, Insert Coin. Avec, devant Insert Coin, tout à fait. Le numéro 10-8, tout à fait. 18. Et on a repéré donc un endroit qui s'appellerait l'arène, ou alors le trophée, c'est ça? Ou alors la coupe. La coupe. Ouais. Et on pencherait quand même un peu plus pour l'arène. Ouais, l'arène, ça a l'air de correspondre mieux. Ça bon, bah allons voir l'arène. Mais de toute façon... Et pas le roi. À quoi ressemble l'espace, une fois qu'on est dedans, parce que de toute façon, j'imagine que t'as qu'une seule entrée. Il n'y a qu'une seule entrée. Donc de toute façon, quand on rentre dedans... Et on verra qui a bien, le plus de dextérité sur ses petits pouces pour jouer au jeu. Ils sont verts ? Ah, pour jouer, tu veux dire ? Bon, ça doit être toi, non ? Moi ? Moi ? Je sais pas. Ou peut-être Lee. Ou peut-être Lexi, pardon. Ouais, c'est entraîné sur des coussins, apparemment, mais... Je pense que ce serait du cool pour être concentré sur du cool sur en vrai, si ça se trouve, c'est moi. Ouais, j'ai plus 2 en cool. Zéro, moi, je suis neutre. Hein. J'ai plus 2 en cool. Ah bah, t'es mais d'où t'es cool, toi ? Du coup, vous allez. Écoute, il fallait que je gagne de niveau. J'étais à vous zéro. Vous allez entrer dans cette salle et vous allez voir effectivement en entrant dedans que. J'ai triché, j'ai passé de niveau. Et ben sur les bornes, effectivement, il y a des jeux en cours puisque vous voyez les boutons des pads et les joysticks bouger. Rien de pas de personne pour le moment en vue. À part sur une des bornes, vous voyez une personne s'appelant Elisabeth. Et
Et bah, vous avez Born qui met son 49-3 là-dessus. Moi, je mets mon veto. Facile, elle était facile. Et vous allez avancer. J'étais pas connecté, moi, hein. J'avais pas le wifi là. Vous allez avancer. Alors, par où est-ce okay. que vous allez vous diriger du coup dans bah, cette. Vers la reine. Bah, la reine, il y avait. Ouais, la reine, ouais. À la reine, effectivement, vous allez avoir. Tout le temps où on traverse le truc, hein. Je suis pas du tout sereine. Vous allez avoir toutes les bornes des jeux classiques de versus fighting, c'est-à-dire qu'il y a une borne de Mortal Kombat, une borne de King of Fighter, une borne de Tekken, une borne de Street Fighter également. Et elles sont toutes pour l'instant en pleine animation. Il n'y en a pas une qui est pas en animation pour le moment. Elles sont toutes en animation. Faut regarder le tableau de score. Est-ce qu'il y a sur un des jeux, je sais pas, il y a un tableau un peu genre général qui reprend les scores de tous les jeux. Oh, peut-être un concours sur un jeu où il faut passer le score max, ouais, comme tu dis. Ouais. Effectivement, au-dessus de chaque borne, elles ont été un peu custom, et il y a le tableau des trois meilleurs scores qui ont jamais été faits. Puisque et comme c'est par ton hasard, idée, il y a 4 bornes, non ? Et il y a 4 bornes pour le moment. Puisque c'est ton idée, Lee, je vais te demander d'enquêter sur un mystère pour voir ce que tu peux éventuellement discerner un peu plus. Voilà. Enquêter sur un mystère. Je voudrais avoir une petite passion qui craint pour voir s'il n'y a pas potentiellement Pac-Man qui pourrait sortir d'une salle d'arcade. Genre, on est trop regardé le film Pixel. Ouais. On est plus au cinéma. Hein. T'as fait 8, donc tu vas pouvoir voir une info. Tu vas voir que sur la plupart des bornes, les scores et les noms ont l'air d'être assez aléatoires. Okay. Mais que sur la borne de Street Fighter, et ben tous les le high score, c'est que des 6, et notamment 666 666, le plus haut score, et là ça, où tous les pseudos sont des noms de 5 lettres, sur celui-là le seul score qu'il y a, c'est le seul nom du top player, c'est un R. R. R comme quoi ? Comme Roger ? Il y a R. Il y a R. Non, je préférais Roger. En tout cas, nous, c'est pas nous, parce que nous, c'est que des L. Oui, bon, on va essayer de mettre un L à la place. Bah, je veux bien essayer. Il y a moyen parce de jouer. On n'est pas right, on est left. Bah écoute, il y a moyen de jouer puisque sur les bornes de toutes les bornes, elles sont pour l'instant en mode un joueur, et en fait tu vois que sur la barre de vie du personnage, je sais plus comment on dit, mais du personnage informatique, enfin du CPU, il y a marqué player 2 insert coins, ce qui est la manière sur les bornes d'arcade de rejoindre une partie en tant que deuxième joueur. Eh ben j'essaye, tiens. Eh ben écoute, ça te demandera une pièce de 1$. Tu as ça dans ta dans ta poche sans problème. J'ai un peu d'argent de poche. Dans la poche. Au moment où tu vas mettre la pièce dans la machine, eh ben tu vas voir que se matérialise à la place du joueur 1. Un homme en kimono blanc avec un bandana rouge autour du front. Ok. Blanc, c'est Ken. T'as dit kimono blanc, oui. Non, c'est Ryu. C'est ça. Ryu ? Ryu ou Ken ? Ryu ! Non, Ken. Ryu, c'est pareil. Ken, il a un habit rouge. Non, c'est Ryu, ça. Et Ken, il est en rouge et il est blond. Rien à voir. Et excuse-moi, je connais pas très bien. Ok, mais peut-être c'est le R, c'est le fameux R, Ryu. Et tu vas pouvoir voir que le personnage du bot, il est remplacé par toi sur l'écran. Mais je suis quand même devant la machine. T'es quand même devant la machine. Oh là, mais il y a ton toi en magnifique pixel art.
okay. Qui est intégré. Effrayant, version loup ou version lit? Eh bien, version lit, mais un peu voûté, avec les griffes sorties dans une position un petit peu animale. Il est comme ça, en train de bouger sur ses jambes. C'est ça. Je suis sur fond vert, hein. Faut faire de l'animation, il y a un truc à faire. Et du coup... plus de recul pour ça. Et du coup... Alors quoi, c'est casser la gueule du coup? Très rapidement, voilà, le Ready Fight va apparaître. Ready Fight. Et je vais te demander, pour commencer tout de suite, avant de casser la gueule, de agir sous pression. Ok. Et donc c'est bien casser la gueule, c'est pas... pas de l'adresse finalement, c'est pas du... Non, avant de casser la gueule, j'ai demandé d'agir sous pression. Parce que lui m'a dit qu'il voulait. Tu fais un 8. Tu vas pouvoir du coup te sentir dans une certaine confiance. Écoute, face à la situation, c'est un jeu que tu connais. Très rapidement, un combat virtuel va démarrer. Et donc tu vas pouvoir effectivement faire un premier casser la gueule. Est-ce qu'on peut l'aider, donner un coup de main? Alors pour le moment vous pouvez pas lui donner un coup de main, sauf si tu me proposes quelque chose de plus particulier que tu veux, que tu voudrais tenter. Il faudrait débrancher la machine. Je disparais. Donc là, je sais pas, est-ce qu'il y a pas des moves de suite de boutons qui seraient inscrits quelque part qu'on pourrait connaître ou pour c'est bas, diagonale, droite et ou gauche selon où il est placé et gros point. Tu vas pouvoir agir sous pression pour voir si tu peux coacher. Non, comme t'as une bonne idée, non, tu vas pouvoir faire donner un coup de main. On va voir si t'y arrives, c'est que tu te rappelles de bons, des meilleurs moves pour éventuellement contrer, de la bonne stratégie pour éventuellement contrer Ryu. Ah ouais, 10, trop bien. Avec un 10, t'as réussi. Tu vas pouvoir lui faire des petits conseils, tu vas être un peu la coach. Tu vas pouvoir, de ton côté, casser la gueule. Alors, quand je casse la gueule, donc il me propose plus ou moins forward. Qu'est-ce que ça signifie? Je peux mettre une valeur, je vois. Je mets 0. Je laisse 0. Okay. C'est ça. Parce que du fait qu'elle m'a aidé, je mets pas un plus 1 ou je sais pas quoi. Tu ajouteras plus 1 à la fin, de toi-même. Très bien. Bon, du coup, ça c'est fait un 10 et c'est un 11 du coup. Nickel. Du coup, là, tu vas pouvoir choisir. Donc, comme sur tous les casse à gueule, soit tu fais plus de dégâts, soit tu vas prendre moins de dégâts. Ah, je fais plus 2. Parce que je suis déjà. Oui. J'ai un de mes traits, c'est immortel. C'est un des derniers trucs que j'ai pris. Et je prends déjà de base moins 1. Ouais, je ne vieillis plus et je prends moins 1 de dégâts systématiquement quand je prends un truc. Mais ouais. C'est un peu débile, t'aurais dû prendre ça une fois que t'avais atteint les 20 ou 25 ans. Là, tu vas avoir toujours l'air d'un gamin de 16 ans. C'est idiot. Ouais, du coup, tu vas pouvoir lancer l'attaque. Les deux personnages sur les bornes se rapprochent. Voilà. Et du coup, effectivement, tu vas pouvoir faire un enchaînement de coups de griffes. Double saut A, B vers le bas. Et du coup, tu vas pouvoir effectivement faire des dégâts. On voit la barre de vie de Ryu qui commence. Et j'ai mon attaque de griffes naturelle. Hein. De base, je rajoute plus 2 à tous mes dégâts. Tout à fait. Donc, tu as fait déjà un bon coup, sachant que pour les éventuels plus jeunes d'entre nous, les barres de là, c'est Street Fighter 2, sont assez courtes. Donc, déjà, tu as mis une bonne mandale. Mais Ryu aura quand même réussi à te mettre un petit coup pied bas. Moyen pied bas, donc tu peux. C'est un truc qui t'aide de faire que des coups de pied du bas. Kick. Tu vas quand même prendre un point de dégâts. Que je réduis du coup. Que du coup, pour l'instant, tu vas réduire. Tu peux continuer, hop, on est toujours en pleine scène de combat dans la machine. Est-ce qu'il y en a qui veulent m'encourager encore? Allez, Lee. Je sais pas si je peux le ré-encourager. Redis. Bon, tu me diras, ça reste correct. Hein. Eh bien, à nouveau, t'es dans la réussite, donc tu peux à nouveau choisir un bonus si tu restes sur le dégât supplémentaire. Ah, je reste sur le dégât. On est là pour mettre des mandales. C'est parti. Tu le frappes très fortement. Cette fois, cependant, il va réagir un peu mieux. Le Ryu est quand même un champion.
Et tu vas entendre un Shoryuken et tu vas te faire propulser dans les airs un instant. Et là, tu vas prendre deux points de dégâts, donc tu vas en prendre un. Shoryuken. Ok, je me marque un dégât. Ça veut dire que là, quand il se prend des coups, physiquement, là, lui qui est en train de... Physiquement, effectivement, tu sens quand même que t'as pris un gros coup de poing sous le menton. Qui t'a fait bien mal, hein. ça t'a surpris sur ces coups-là. Le premier, t'avais pas trop fait attention. Je chope une serviette à côté et puis je lui fais comme pour le boxeur, tu sais. C'est... Hey, c'est bien, fais gaffe. Tu balances une bouteille d'eau. Surveille ta garde. Ok, tu vas... ok, j'y retourne. Ouais. Alors tu t'es rendu compte que t'as même pas pu enlever tes mains de la borne. C'est le prémisse du e-sport. Et du coup, Et du coup, tu vas pouvoir faire encore un casser la gueule. Yes. Allez là. Sur des branches, la prise. Je vais le finir là. Casser la gueule. Casser la gueule. Casser la gueule. 9. Ça 9. Reste correct. Alors cette fois, pas de dégâts supplémentaires. Dommage. Tu vas quand même le blesser et là, il va reculer. Et t'envoyer une boule de feu, le fameux Hadouken. Oh. Et là, tu vas prendre 3 points de dégâts, réduit de 1, donc tu en prends 2. On peut pas sauter. À nous. On saute en arrière. Je suis encore ok, mais c'est limite. Est-ce que je peux lui faire un test de Toubib pour essayer de le remettre bien pendant qu'il joue? Tu peux lui bander, parce que tu vas voir qu'effectivement, il a une trace de brûlure sur un de ses bras qui est apparu. Assez violent. J'ai fait 7, donc il regagne 2 points de vie. Ah! Ah! Yes! Pas mal ça! Ah, carrément! Magnifique! Tu viens c'est le glitch dans le jeu, tu sais, t'as la barre qui était comme ça, il est. C'est ça, la barre elle est remontée. Trop bien! Elle est remontée. Yes! Et du coup, à nouveau, encore un casser la gueule pour toi. Baston. Non, c'est bien que vous soyez avec moi. Hein. C'est vous qui faites tout le seul boulot. 8. Bon, toujours pas de bonus. 8. Donc là, tu vas réussir à... Alors, c'est pas le bon jeu. Oh merde. Je retire la colonne vertébrale. Mais effectivement, tes derniers coups de griffe, tchac, tchac, tu vas pouvoir le faire, le mettre KO. Oui. Effectivement. Tu as vaincu et tu vois ton nom qui va apparaître au tableau à la place du premier au milieu de qu'un seul perso pour être au-delà du premier. Et eh ben bah vous avez, bah, il a battu mais il y avait au que milieu, lui en fait RRRR il y avait au milieu de la salle. Soudainement descend un grand écran avec 4 lignes et tu vois Lee s'affiche sur cette ligne et que la borne de Street Fighter va s'éteindre. Il faut faire les 4. Il faut faire, les 4. Ah, je suis chaud, hein. Il faut trouver une autre borne. S'il faut refaire la même chose, moi comme pour taper, j'utilise. Moi je suis étrange en fait. Moi j'utilise ma bizarrerie là pour combattre. Mais il y a quoi d'autre comme jeu du coup ? Mortal Kombat. Il y a Mortal Kombat, Tekken 3 et King of Fighter. Ah oui, c'est que des trucs de fighting. Okay. C'est le thème. Là. On est dedans. Oh, moi, je vais essayer de continuer. Hein. Je vais peut-être essayer Tekken 3 pendant que tu fais. Le Street Fighter, je suis pas. Enfin, le Mortal c'est Kombat, bien d'avoir je suis pas un hyper. Soin à côté, hein. Moi, je connais mais c'était pratique quand même, hein, j'avoue. Mortal Kombat, j'ai un peu peur de le faire en fait. Il y a des bonus pour se battre en fait. Mortal Kombat, il est plus violent quand même. Hein. C'est le seul auquel j'ai joué. Bah sinon, Lexi, tu fais Mortal Kombat et puis Lizzie, t'assistes pendant que j'assiste Lee. Et tu veux faire les deux jeux en même temps, c'est ça, j'ai pas compris. Bah comme ça, on gagne du temps. Oui, ok. Vous voulez vous mettre chacune à une borne du coup pour le coup faire Bah, il y a ça. Lexi qui se mettrait sur. Il faut juste que Linus soit là en soin finalement. Sur l'autre là, j'ai oublié le nom. T'es à combien là du coup? Ok. Moi ça va, j'ai un point de dégâts seulement là, sur 7. Ah bon, ça va.
Mais je te suis toi, et puis Lizzie suit Lexi pour les soins. Ok. Donc Lee, tu veux te mettre à une autre borne, c'est ça? Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Ça a l'air d'être la solution de taper les tu quatre. Prends le... Tu prends laquelle? King of Fighters, j'aime bien. Ok. Quand tu vas mettre ta pièce dans la machine... Tu vas avoir ce petit souci parfois qu'on a, genre même à la machine à café, la pièce elle retombe. Oh, merde. Tu vois comme t'as si elle était pas. J'ai pas le droit, c'est à vous de faire. Vas-y, je te file la même pièce que j'utilisais à l'instant qui était pas acceptée. Laisse-moi faire. Et je la file à Linus. Bon, bah du coup j'y vais, je mets la pièce et j'y vais à sa place. Donc Linus, sur le. Tu mets la pièce et toi effectivement, c'est accepté. Et apparaît à côté de toi une jeune fille blonde habillée de rouge. Alors par contre, je vais pas du tout avoir la ref parce que King of Fighting, j'ai jamais utilisé. On est un peu plus sur une niche, c'est le personnage de Malin, qui est une jeune fille qui utilise des armes blanches dans King of Fighter. Ah, très bien, bah, moi je vais être avec mes flingues, j'imagine, dans le jeu. Et effectivement, tu vas te voir à l'intérieur avec les flingues et on va repartir pour une deuxième session de combat, donc c'est parti. Tu vas pouvoir faire envoyer un premier casser la gueule toi aussi. Ok, je vais commencer par balancer une grenade. Ok. Alors c'est un coup spécial, tu vois, tu fais baba droite et hop, tu balances une grenade. Huit du coup. 8. Sachant que la grenade, c'est 4 points de dégâts. Effectivement, donc tu vas pouvoir lancer cette grenade qui va exploser et tout de suite baisser très fortement la vie de ton opposante. Mais elle a du coup aussi une attaque à distance qui sont des lames au bout de fil. C'est tu vois comme si c'était un yo-yo avec des lames dessus. Elle va t'envoyer à grande vitesse. Et tu vas prendre 2 points de dégâts également de ton côté. Ah ouais, j'avais déjà 1 point de dégâts, moi ça commence à faire mal quoi. Mais okay. Clairement ton attaque elle a fait beaucoup plus de dégâts d'un coup que ce que toi tu as pris. Et ça a été plus, tu vois, la barre de vie est descendue plus fortement que quand Lee lui okay. avait s'était battu. Plus que la moitié ou pas? Plus que la moitié. Ok. Bah une deuxième grenade. Ok, tu peux envoyer une deuxième grenade. Je vais prendre un point de chance. Donc t'as ton gilet qui a été tranché et tu saignes sur les pectoraux. Tu vas pouvoir faire cette deuxième grenade. Au point de chance, tu veux faire quoi? Plus de dégâts, en prendre moins, avoir un plus 1. N'oublie pas de prendre du galon également. Oui, bah du coup je gagne un niveau d'ailleurs en prenant ce galon là. Du coup. Nice. Bah je vais faire des dégâts en plus. Donc okay. 5 points de dégâts. Ok, donc là, effectivement, direct, c'est le chaos en 2 rounds. Okay. Mais toi tu vas quand même à nouveau prendre 2 points de dégâts. Ah ouais? Putain, je suis dans très l'échange. Mal. Je suis très mal. Du coup. Tu es donc instable. Ouais. Mais, le combat s'arrête. Et du coup, je me mets sur l'écran, me soigner, hein. tu vois ton nom. Tu vois ton nom qui apparaît également. T'as quand même utilisé déjà 3 fois ta trousse de soins. Ah oui. Je ne crois pas qu'il y ait une limite. Je sais plus s'il y a une limite. C'est pas indiqué. On va quand même. C'est quoi ton. C'est dans tes équipements, dans tes manœuvres? C'est une manœuvre, ouais. C'est tout bib. Vous possédez. Ok. On va considérer pour l'instant que t'as encore ta trousse. Peut-être qu'à un moment, quand tu vas vouloir l'ouvrir, tu vas te rendre compte qu'elle est vide. Je te le dis. Ce qui peut être lié, par exemple. Éventuellement à la consommation de ta chance. Ok.
en fonction de la chance que tu vas consommer, tu vas avoir plus de chances d'un moment faire « Ah merde, il n'y a plus rien voilà, ». Okay. On va mettre ce petit... Là, tu m'autorises à l'utiliser. Là, je t'autorise à l'utiliser. Mais plus tu iras vers la poisse, plus tu auras de... Attends, je lis un truc. Je vais encore utiliser un point de chance. J'ai fait un double 1. Ah oui. C'est pas fou. C'est vraiment. Il m'en voulait les dés là. Parce qu'effectivement, en cas d'échec, tu t'infliges un dégât supplémentaire. Tu enlèves 2, si tu enlèves 2, tu étais instable, tu resteras instable. C'est à toi Je reste instable. Bah non, si je fais 12 du coup grâce à ma chance, j'enlève les 2. Je suis plus instable et je reprends 2. Non, quand c'est plus de 10, ça fait les 2. Ah oui, tout à fait. Donc tu es éliminé. Très bien. On a donc nos deux voilà, et j'ai pris un niveau, deux donc garçons j'ai rajouté sont, un point de coriace désormais, donc la fiche perso qui s'affiche sur l'écran n'est plus valable. On n'a pas encore les méthodes de synchro temps réel. Ouais. t'as pris un point de coriace, ok, bah du coup il va rester les bornes de Tekken et de Mortal Kombat. Bah, tu voulais faire Mortal Kombat Allez. De toute façon, en vrai, faut toutes les faire, donc je prendrai Tekken. Ok, donc Lexi... À son tour, elle va mettre $1 dans la machine, va se retrouver dans le jeu et va apparaître à côté d'elle, eh bien, un homme avec un habillé de bleu, avec un masque bleu. Et effectivement, tu vas avoir un peu froid en étant à cette machine, mais c'est à toi. Le combat démarre. C'est des combats en un round. Hein, on va pas faire les trois rounds. À chaque fois, on n'est pas sorti. Du coup, vas-y, casse la gueule à Sub-Zero. Casser la gueule. Casse la gueule. Là. Finish him. Ouais. Ça démarre sur un 10. Donc, à nouveau, est-ce que tu veux prendre un dégât en moins, infliger un en plus? À toi de voir. Tu infliges un en plus. Donc là, ton trident. C'est toujours mon point que j'ai gardé depuis tout à l'heure aussi. Oui, t'as un plus 1 que tu peux garder plus tard. Là, quand t'as déjà fait 10, effectivement, il n'y a pas de nécessité. Effectivement, tu vas pouvoir mettre un bon coup de trident. Mais lui, à ce moment-là, va t'envoyer une petite flaque de glace sous tes pieds. Tu vas tomber sur les fesses, tu vas prendre un point de dégâts. Les fesses. L'attaque trop nulle de dessus. Attaque banane descente. Deuxième suite du combat. À nouveau... À nouveau un casser la gueule. 13, alors là c'est quand même au-dessus de tout ce qu'on peut espérer. Donc là, tu vas réussir à refaire un coup de trident. Et là, pour le coup, le score est tellement élevé que je vais considérer que lui ne pourra même pas... même pas riposter sur ça. Tu vas pas le finish encore, mais par contre, lui, tu l'auras stun, et du coup, lui, il aura pas pu... donc, tu l'auras étourdi hein, dans les jeux de... Donc là, tu ne prendras pas de dégâts sur ce coup-là. Yeah. Il est aux deux tiers de sa barre de vie, donc, du coup, à toi, effectivement, d'envoyer un troisième casser la gueule. Là, c'est un 8. Du coup, ce sera des dégâts normaux. Tu vas reprendre un point de dégâts encore, mais effectivement, on va entendre résonner dans la salle au milieu des bruits des bornes le fameux finish him. Et ouais. Tu as le droit de décider quel est le finish him du personnage de Lexi dans Mortal Kombat. Qu'est-ce que je peux faire avec mon trident qui serait sympa? T'arraches ça l'empale, non comme ça, tu l'empales, et puis ça traverse son cœur comme ça, et puis je récupère son cœur au bout de mon trident. Parfait. Un move de qualité. Et donc voilà, et ben, Lexi également est arrivé en haut de... est apparu sur le tableau. J'ai oublié son nom, c'était pas Cassie qui s'appelait la meuf militaire là? C'est... Oui, alors là, c'est dans les noix. Camille. Tammy, non?
Camille. Je sais pas pourquoi je me rappelle Cassie. Et du coup, il nous reste, eh ben, il nous reste celle qui est normalement la première concernée. donc si, tu vas mettre Cassie Cage. Tu vas mettre ta pièce dans la bande de Tekken et apparaît à côté de toi un homme très grand, torse nu, avec une tête de tigre. Kinguru. Tout à fait. Ok, allez. Donc c'est quoi qu'il faut que je fasse, moi? C'était des... Eh ben, ça va être à nouveau de la magie. Si tu... Ouais, tu restes sur ta même technique de... Bah, je garde la distance, surtout comme ça, il vient pas me taper, quoi. Apparemment, faire des flaques pour qu'il glisse sur les fesses, ça marche bien. Ouais, c'est un échec. Ah non, aussi, ça fait 6. Ouais, tu peux prendre un point de chance. Je vais prendre du galon, comme ça je vais pouvoir prendre un truc. Non, mais ça t'empêche pas de prendre du galon, de prendre un point. Ça t'empêche pas, ouais. Utiliser ta chance. Ah ouais, non, non, c'est ton jet de dé qui compte. Donc si tu utilises ta chance, moi je considère que tu prends du galon quand même, parce que la chance c'est quand même une ressource à consommer. Alors peut-être que c'est pas. C'est pas rules as written, mais. Non, mais je vais encaisser, je vais voir si ça se trouve il va faire un truc de merde. Ok. Alors, il va pouvoir, effectivement, lui, foncer vers toi, faire une glissade et te faucher les jambes. Donc, tu vas tomber par terre et tu vas prendre un point de dégâts, toi aussi. Alors, mais du coup, tu seras au corps à corps avec lui sur la suite de la bagarre. Ouais, juste, du coup, comme je prends du galon, là, parce que j'ai fait 5 trucs, tu m'as dit que je pouvais prendre directement une manœuvre. Oui, dans les améliorations, il y en a. Alors, si on prend rapidement ta fiche dans la partie amélioration, alors tu as pas les améliorations avancées, voilà. Mais tu peux prendre une manœuvre de magicien en plus. Voilà. Et du coup, je voudrais prendre vêtement enchanté. Ok. Qui permet que tout ce qui tente de passer à travers m'inflige moins un dégât. Je sais pas si ça compte là en fait par rapport au fight. T'as pas utilisé le point de chance. Non, justement. Ok. Donc du coup, ça fonctionnera sur la suite, peut-être. Ok. Enfin, normalement même. Pour la suite du combat. Donc tu peux recontinuer à essayer de. Je me suis quand même pris le premier dégât. Ouais. Ok. Attends, je mets là. Ouch. Ok. Allez, c'est reparti pour taper. En envoyant de la glace, on considère que j'essaie de m'écarter un peu. Donc 5, 6, 7. 7. J'ai galéré. Tu vas pas réussir à t'éloigner assez, donc tu vas réussir à lui mettre un coup de. Alors tu t'envoies toujours des dards de glace, c'est ça ? Ouais. Okay. Donc là, t'es rendu à la moitié de sa vie. Lui, par contre, il t'a attrapé par le cou comme ça, et puis il t'a fait un. Vraiment le move de catcher, un suplex. Ouais. Tu sens une douleur dans tes cervicales. C'est pas tout à fait comme ça que t'avais prévu ton samedi après-midi. Face à un géant de 2 mètres, même si c'est ta version pixel. Ouais, la kiné, c'est violent quand même. Ouais, bah y a pas l'assurance maladie aux États-Unis. Et donc tu prends 2 points de dégâts à nouveau. Ça commence à faire mal là par contre. Tu vas pouvoir... Non, pardon, du coup, tu n'en prends qu'un, parce que ton... Mon truc magique, fait. Ok, cool. Bon. Et tu vas pouvoir continuer à casser la gueule. Bon, si je fais un truc pourri, j'utiliserai la chance. Ça fait un peu mal. Allez, j'utilise la chance. J'ai fait un 3, donc voilà. Donc, chance, donc tu... Fait... Il avait estimé qu'on n'avait pas suffisamment utilisé de la chance, donc il s'est dit je vais leur mettre des combats impossibles, obligatoires. Bah attends, depuis le début je faisais que des bons jets, et là d'un coup j'ai que des jets. Donc du coup ça devient un 12, est-ce que t'infliges plus de dégâts? Est-ce que tu réduis encore les dégâts subis? Je mets des patates, moi je mets des dégâts. Ok. Donc là en fait avec ton 12 tu vas voir que tu lances une nouvelle attaque et que t'as envoyé 2 pics de glace cette fois. Et que du coup, eh ben, tu vas réussir à lui faire... À lui faire encore plus mal, mais lui va réussir à te faire un coup de pied sauté, et du coup tu vas prendre un gros coup de pied dans le ventre qui va te couper le souffle. Je vais venir peut-être la soigner d'ailleurs. Le fait d'avoir lancé 2 pics de glace,
Il va, juste après t'avoir frappé, tomber au sol. KO. Ah, bon, bah, très bien. J'ai pas peur. Mais du coup, je me suis quand même pris un dégât ou c'est ça mon rayon magique couvrait ? Tu as... Et tu as pris un dégât parce qu'il t'en mettait deux, normalement. Donc tu as quand même pris un dégât. Voilà. Tu as réussi, du coup, à faire ça. Et, eh bien, le combat est terminé. Donc il n'y a que des L, L, L. Effectivement, il y a 4 L sur le tableau. Tableau d'affichage. Notre signature. Et la salle d'arcade va devenir étonnamment silencieuse. Et vous allez voir, eh ben, effectivement, sur la dernière bande, sur la tienne, sur l'écran, apparaître une clé d'argent. Allez. Très bien. La première, c'était une clé en or ou une clé de bronze ? Non. Une clé de bronze. Bronze. Mais elle est dans l'écran ou... Elle est dans l'écran pour le moment, elle est en pixel. Ah. C'est quoi, on débranche la machine ? Qu'est-ce qu'on fait ? Étudie un mystère. Comment faire sortir la clé ? Tu peux évaluer une situation qui craint ou enquêter sur un mystère pour voir si tu... Alors attends, enquêter sur un mystère, c'est quoi le bonus ? C'est que c'est futé dans les deux. Les deux c'est futé, ok. Très bien. Allez, je tente. C'est un 7. C'est un 7, et eh ben tu vas sentir l'écran quand tu tâtonnes un peu la magie, tout ça, la machine, tout ça. Tu vas tout simplement sentir que ta main elle passe à travers l'écran. Ah d'accord. Allez, et que du coup tu vas pouvoir saisir cette clé qui sort, qui est toujours pixelisée. Trop cool. Mais tu as la clé en argent dans tes mains. On fait peut-être un peu le point des blessures là. Où on en j'ai est. J'ai 3 points de dégâts. Bon, ça va, j'en ai qu'un. Pareil. Ok, pareil pour moi, 3. Pas aussi, Lizzie ? Ouais. Ok, bon. Moi, je peux faire de la magie pour me soigner un peu. Je vais peut-être t'examiner, toi, déjà un coup. Et tu peux peut-être nous examiner tous les deux avec Lexi, parce que j'ai déjà utilisé sur Lexi et j'ai déjà utilisé sur moi. Donc. Ouais, ça marche. T'as déjà utilisé sur moi ? Non. Non ? Si ? Si, non, j'ai déjà utilisé sur toi. J'ai pas été soigné, non ? Ah bon ? Non. Non, tout à l'heure j'avais un point de dégâts. Ah bon, sur Lee et... Ouais. Et sur lui-même. Du coup, pour Lizzie, tu reprends 2 points de dégâts. Ah cool, merci. Merci Linus. Et donc du coup, moi, il faut que je fasse... Alors attends. Par contre, moi, je crois que je peux rendre que 1 point. C'est déjà. Bah. Je vois plus, mais. Alors attends, je vais faire un autre jet, peut-être pour. Enfin bon, après, moi ça s'épuise au bout d'un moment, mais. Potentiellement. J'ai vu, je vais remettre de la vie. Un autre jet pour Lexi. Moi je peux faire. Je peux faire plus 1 de blessure. Neutraliser un poison ou soigner, ok. Donc c'est bizarre. Après j'ai que des jets de merde en ce moment, j'espère. Donc que Lexi, tu reprends 2 aussi. Oh, j'ai fait 11, 12, 13. Oh là là. Linus. Oui. Je reprends combien ? Alors j'ai fait 13, ça fait que je donne que 1 point de... Je soigne que de 1 point, je peux pas faire plus ? Ouais, apparemment c'est ça. Bah écoute, je reprends 1, 10 c'est plus, la magie fonctionne comme prévu. Et ouais, c'est juste ça. Ça soigne pas tant que ça, ton c'est truc. Dégueulasse. Toi. J'ai fait un truc. Bah c'est pas une, c'est de la magie, c'est pas magique. Hein. Ok. Bon bah après, je suis encore un peu un poil fois, blessé, hein. Mais. Tu veux que je réessaye une fois ? Ouais, vas-y. Après je peux. Attends, si je rate, il se passe quoi ? Évaporisé, tu n'existes plus en ce monde. Ah bah après c'est pareil, ça fait que je peux te blesser. Donc tu perdrais le point, je viens de te soigner. Ok. Tu prends le risque ou pas ? Allez, deal. 7, 8, 9. Et donc ? Ça fait quand même qu'il y a un pépin. 9. Ah. Tu vas... Tu vas sentir que ça t'a épuisé de faire ça. Ok.
et pendant un certain temps, tu ne pourras plus soigner, soigner par magie. Donc là, j'ai récupéré un point de vie encore. Ouais, ouais, donc au final, t'en as récupéré 2 sur 3. Ok, très bien. Comme tu m'as fait comme ça. Beaucoup. Est-ce que c'est l'avenir d'une bromance? Je sais pas. je voudrais pas gâcher tes romance, espoirs, hein, mais bon. J'ai dit bromance. Oui, oui, non, mais bien sûr. bon, bah. Il a pas de respect pour ma magie qu'il le soignait, quoi. Si, 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 je te remercie. Vous allez sortir de la salle d'arcade et vous allez. Vous allez frôler la catastrophe puisque vous allez voir en fait qu'en sortant, les allées qui sont faites de grandes dalles de carrelage blanc, eh bien, certaines dalles ont disparu. Oh punaise. Et. On a déstabilisé la dimension, c'est ça, non? Et qu'il y a effectivement toujours possibilité de se déplacer, mais que de chaque côté de vous, eh bien, il y a des gouffres dont le fond n'est pas sondable. Bon. Compliqué, ça. Vous voyez aussi que devant certaines boutiques, eh bien, il y a une sorte de mur de ténèbres qui s'est dressé. Et du coup, vous ne pourrez plus rentrer dans certaines d'entre elles. Okay. Et ils ont l'air quand même un peu, les murs de ténèbres, eh ben, de vibrer un peu devant vous, d'être pulser, un petit peu animé quand même. Ok. Bon, eh bien, direction Guns and Fun. Ouais, carrément. Je pense que c'était effectivement la dernière. Au centre des lames, dans l'antre de l'impérial et du chevron. Let's go, Guns and Fun, point 8. Vous allez arriver devant le Guns and Funs. Et, eh ben, il fait partie des boutiques. Ah merde! Fermées par les ténèbres. Ah, le gars, c'était mauvais. Ce serait quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Pas la pêche. Gold and Silver, c'est quoi? Ouais, peut-être. C'est Gold une bijouterie. Oh, ça me paraît bizarre. Je sais pas, or, impérial, silver, chevron, ça peut être un truc comme ça, tu vois, le grade. Est-ce que ça a l'air d'être ouvert? C'est où ça? Les ténèbres, elles se répartissent où? C'est certaines boutiques qui sont inaccessibles. Ah, c'est que certaines, c'est pas vraiment un mur complet. Non. Où le 23, il y a le barbier okay, aussi. Barnis Barber en 31. Au centre des lames. Ouais. On est parti d'où? On est parti de. C'est quel numéro? Vous étiez au 18. Au 18. Ok. Où on est? 31. Le barbeur, il est au 31. On a vu le 8 que c'était pas bon. Il y a des trucs de bouffe aussi. Hein. Bon, on peut aller voir le 23, du coup. Il y a Golden Silver. Et s'il y a pas, on va vers le 31. Ouais. C'est sur le chemin. Mais bon, on guette quand même, voir s'il n'y a pas un autre truc qui est ouvert. Bah ouais, on passe devant, on voit ce qui est ouvert. Oui, oui, si on a guetté. C'est peut-être Bricolord, hein. Ouais, tout est possible. Bah ouais, mais ce serait quoi l'impérial, quoi? Le Lord. Ouais. Je sais pas c'est quoi le chevron. Vous allez passer donc d'abord devant devant Fashion for Her, puis effectivement devant Bricolord, et vous allez arriver. Il est pas ouvert Bricolord. Golden Silver. Non, Bricolord, il est aussi dans les ténèbres. Ouais. Donc c'est alors est-ce que Golden Silver il est ouvert? Golden Silver il est ouvert pour le moment. Okay. Donc c'est une bijouterie. Allons-y. Ok, bah go. Hein. On regarde, ouais. De toute façon, au pire, il se passe rien dans le magasin. Hein. Si c'est pas ça. Milieu des lames. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lame dans une bijouterie? Ça peut être des verres, peut-être. Des lamelles qui tiennent des trucs pour poser les bijoux. Je vois pas non plus. Je vois pas. Quand vous vous en approchez, ça a l'air d'être une bijouterie tout à fait normale. Vous voyez rien de... Ouais, pas rien qui est possédé comme à la salle d'arcade.
Y a personne. Si on appelle un peu, pas de réponse, pas de. Non, pas de réaction. Ça a l'air d'être un magasin vide. Rien qui nous attire l'œil, quoi. À part des beaux bijoux, mais en dehors de ça, rien. Rien qui bouge ou qui s'anime ou qui est très curieux. Bon, bah, je dirais qu'on continue. Ouais, ça a pas l'air d'être vraiment là. Au pire, on reviendra. Bon, bah, allons-y vers Bernice Barber. Ok. 31. Donc vous allez aller devant Bernice Barber. Et bien là, vous allez voir que dans le magasin, qui est ouvert, donc devant le barbier, dans le magasin, pardon, il y a des lames de rasoir qui virevoltent un peu partout dans l'air. Super. Sur la vitrine, il y a un petit tableau qui montre des modèles de très belles moustaches. Ah putain. Là, les gars, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Vous voyez, entre autres, que parmi les moustaches qui sont présentées, impériale et chevron. Il y a une moustache qui s'appelle l'impériale. Voilà. Et une moustache qui s'appelle le chevron. Donc, au centre des lames. Oui, bah, dans l'antre de l'impériale et du chevron. Il faut aller au milieu de l'espèce de tourbillon de lames de barbier, là, c'est ça? Je vais y laisser les poils. Au milieu, il y a effectivement tout simplement un siège de barbier, hein, les fauteuils de barbier qui s'inclinent. Vous voyez un peu, je pense, à quoi ça ressemble. Comme dans le Diabolique Barbier de Fleet Street. Oui, aussi, Monkey Island aussi, oui. Moi, je vois celui-là. Bon. La coupe guillotine. Mes cheveux, ils sont si beaux. Donc il faut parvenir à arriver au milieu de ce tourbillon. Il n'y a pas de souci, moi je peux me téléporter au milieu de ce tourbillon. Ah bah oui, vas-y, tiens. Oh là là, mais la cheat. Non mais c'est là où on voit ces fins de tournage, quoi. Il n'y a plus le temps. Allez, hop là, Mimi. Non, après, je sais pas ce qu'ils vont faire comme moustache, vu que voilà. Allez, vas-y, Mimi. Ouais, ils vont peut-être te couper Mimi les cheveux. Mathis ou Joséphine. Tu choisis, Mimi ou Joséphine. Ou les ailes. Tu te téléportes du coup, Lexi? Bah ouais. Oh là là. Ok. Donc il a l'air trop serein avec tu te téléportes au fauteuil et quand tu tu apparais au milieu de sur le fauteuil, t'as le peignoir et tout le truc de la petite serviette sur les cheveux et t'entends une voix qui dit vous, loin de moi l'idée de juger, mais vous n'avez pas certains critères de ma clientèle habituelle, chère madame. Que puis-je pour vous ? Il n'y a pas de moustache. Faudrait peut-être que tu nous téléportes, nous. J'hésite entre une impériale ou une chevron. En même temps, on est lycée, ah, on a pas de personne, personne de qualité. Écoutez... qu'est-ce que vous pensez qu'on essaye ça peut-être sur vos amis? Je vois que vous êtes venu accompagner. Qui parle techniquement? De qui a cette voix? Une voix, c'est une voix. Ok, d'accord. Ouais, mais nous on est genre lycéens, on n'a pas de barbe ou de moustache, hein, on reste un ils peu ont imberbe pas de pilosité, encore. Là. Je veux bien essayer, mais faudrait limite. Je peux pas me transformer. Ah, écoute, moi j'avais laissé un petit peu pousser pour un hommage à mon arrière-grand-père que j'ai vu en tableau à la maison. Du coup, je m'avance en faisant ça, tu sais, ou en faisant ça, tu sais, du peu de poils que j'ai. Mais il y a trois poils là. Qu'est-ce qui va raser? Oui, parce que c'est le poil d'oreille qui va te raser alors. Il y a encore les lames pour le moment. Est-ce que tu. Je m'approche doucement, déjà voir si les lames semblent potentiellement me laisser passer ou si vraiment c'est un tourbillon de lames et c'est impossible de passer. Pour le moment, c'est un tourbillon. Mais je peux revenir et puis essayer de TP quelqu'un au pire. Tu peux faire ça, effectivement. Là, pour le coup, ça te demande un gem, mais tu peux le...
Alors ouais, moi, bah, si je le rate, je peux faire un point de chance, de toute façon. Avant toute téléportation, j'aurais un truc à faire aussi. Dissiper les lames. Dis-nous, Lys, ce que tu veux faire tout de suite. Moi, je voulais voilà, essayer d'étudier le pattern des lames, si jamais il y avait moyen de se glisser. Genre, si ça. Je sais pas si ça va très vite ou pas, je m'en rends pas trop compte. Et ben, tu peux évaluer une situation qui craint. Ok. Alors, évaluer. Et pour dissiper la magie avec la sauge, c'est un jet particulier ? Il faudrait utiliser la magie. Évaluer c'est une situation qui craint, c'est futé, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et rien du tout. Alors, je peux peut-être le faire moi aussi, d'évaluer une situation qui craint. 8. Ce qui est bien, mais pas top. 8. Alors, eh ben, tu vas voir que les lames sont relativement hautes. Tu peux tenter éventuellement de passer en dessous, quoi. Voilà, avec un petit agir sous pression. La question que je me posais, c'est est-ce que vraiment il y a du plafond jusqu'au sol, quoi. Mais... Ah, pardon, j'avais pas bien compris. Non, tu m'avais dit aussi si elle s'écartait. Non, je m'étais posé cette question-là, mais je te l'ai pas exprimé. Alors, avec un agir sous pression, eh ben, tout n'est pas rose, comme on dit, mais tu vas réussir. Donc, tu vas quand même pas te baisser tout à fait assez. Donc, tu vas prendre un point de dégâts pour... que je réduis. Pour rejoindre le fauteuil. Donc, effectivement, toi, tu le réduis par ton immortalité. Donc, finalement, tout se passe bien. Il faut que je connaisse mieux vos fiches pour vous mettre plus de... et du coup, tu vas pouvoir t'installer au fauteuil aussi, éventuellement. Bon, c'est trop zone. Bah, je me lève du fauteuil. Si, voilà, si Lexi se met à côté. Bon, le tourbillon est suffisamment... Le centre est suffisamment large. Du coup, merci, tu... Merci. Qu'est-ce que tu dis une fois installé sur le fauteuil ? T'entends un bonjour monsieur, ce sera quoi aujourd'hui ? Bonjour également, chère voix désincarnée, je prendrai une coupe impériale, s'il vous plaît. Ok. Tu vas voir apparaître au-dessus de toi un coupe-chou. Un très 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 beau rasoir. Ah ! Qui brille, il est parfaitement bien affûté. J'ai confiance en cette voix de l'incarnation. Et en fait, quand le rasoir va passer sur ta peau glabre d'adolescent, eh ben, tu vas soudainement arborer une très belle moustache. C'est-à-dire que là où il passe... C'est là incroyable où il, là où il passe, au lieu d'être... Alexis, t'es passé à rien, hein. Au lieu de te raser, en fait, ça fait pousser. Donc la moustache impériale, c'est vraiment la belle moustache genre, qui remonte comme ça. Il voulait pas me la faire à moi alors. Non, c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il a dit que t'étais pas sa clientèle habituelle. Exactement, il a pas refusé. Il a pas refusé. Ouais, mais il était juste alors... peut-être surpris. Mais t'aurais pu insister, essayer de le manipuler. Hein, y a pas de problème, ça a l'air de marcher voilà. Ad vitam aeternam. Ça, le moustache. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Ben, je remercie beaucoup ensuite. Cette voix, parce que je trouve ça un peu marrant. Donc, t'es un ado, mais tu vois, c'est vraiment la moustache qui fait ouais, des tortillons. Ouais, quoi. Je vois, ouais, je touche un peu, je découvre ma nouvelle moustache et jusqu'où ça va, les petites pointes. J'aime beaucoup. Très marrant. Ben, c'est pas le Movember encore, mais je m'y prépare comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez du coup faire éventuellement Lexi tenter sa chance. Moi j'aurais dit quelqu'un, il veut pas tenter le passer, chevron. Lizzie dissiper voilà qui. Moi je veux bien tenter le chevron, je vais essayer de passer aussi par en dessous. Bon bah je redonne ma place et je me réécarte des lames. Est-ce que je te fais refaire un jet de quelque chose Faire la doublure de Magnum. bah du coup tu vas agir sous pression à ton tour Linus pour essayer de te mettre. Je fais la place pression. Alors. Je te refais pas un jet pour repasser sous les lames si je m'écarte un peu plus. Non, on va dire que t'es dans l'œil du cyclone, c'est suffisamment. Okay. Eh bien, 10, bah, ça fonctionne, tu vas pouvoir t'installer sur le ciel. Bah, tu vas... Donc, Lee, tu as toi aussi le beau peignoir de Barbie en plus de la moustache. Magnifique. Linus, tu t'installes dans le fauteuil, je suppose. Et tu entends cette voix de nouveau. Bonjour, cher monsieur, que puis-je pour vous ? Bien bonjour, pour moi ce sera un chevron. Et donc à nouveau, pouf, le peignoir et le rasoir qui passe. Et écoutez, bah, le chevron, c'est une moustache assez classique, ce qui fait bah, du coup un peu ce chevron, le chevron Citroën, donc qui descend un peu plus bas sur les côtés en pointe comme ça. Et tu as, une très belle moustache. Très bien, super. On apprend des choses. Et à ce moment-là, eh bien, dans un petit gling-gling, toutes les lames vont tomber au sol. Et parmi elles,
Magnifique. Et donc, vous allez voir s'incarner un homme avec son tablier, voilà, très élégant. Lui, il a une belle moustache fer à cheval, donc qui est vraiment celle du cow-boy, vous voyez, qui descend. Ah ouais. Qui descend sur les côtés. Très texan. Qui vous dit, écoutez... C'est ça, Texas. Écoutez, vous avez... je suis heureux d'avoir fait découvrir l'art à des nouveaux clients. Je vois que madame n'a pas manqué de courage pour venir la première, et donc il te tend une clé d'or, et bien, vous avez désormais la clé du barbier. Oh non, pas Mayal. Sachez que la clé du barbier, c'est quelque chose qui traditionnellement existait. C'est pas Mayal, ça va. Ah oui, c'est bon. En fait, les clients fidèles chez les barbiers avaient un petit casier. Et chacun leur clé, et pouvait avoir éventuellement des produits ou des choses voilà, qu'ils préféraient. Les clients fidèles chez certains barbiers avaient un petit casier, et donc ils avaient la clé du barbier pour un traitement un peu VIP. Je pourrais avoir des petits produits. Tu pourras effectivement, peut-être si vous revenez ici, découvrir... J'aurais pu me refaire mon petit undercut. peut-être. T'aurais pu dire tu venais pour les cheveux, éventuellement, c'est pas... Bah, j'avoue, il aurait pu me faire un petit dessin et tout. Des éclairs, un truc. Un petit dauphin. Bon. Eh bien, vous avez désormais donc les trois clés. Direction Books and... je sais plus trop quoi, là. Books and Spirits. Du coup, la moustache reste pour nous, hein. La moustache reste pour le moment. Bah, très bien. Il est plus vert, il est content. Oui. vous allez voir qu'en sortant, ben, effectivement, quasiment toutes les boutiques sont bloquées par l'obscurité, et que vous allez, pour retourner à Books and Spirits, devoir suivre un chemin vraiment étroit. Il reste une dalle de carrelage, et tout le reste est effondré vers des abysses sans fond. Avançons rapidement et prudemment. Ouais. Vous allez avancer effectivement prudemment, et puis arriver devant. La flemme de passer sur une dalle. Toi, t'as fait pouf. Quoi, là, je vous attends. Effectivement. Et du coup, tu vas te retrouver nez à nez avec Nigel, lui qui attend un peu dans l'encadrement de la porte. Ah, il s'appelait Nigel. Je me rappelle pas qu'on avait son nom. Oui. Et vous avez dit, c'est pas la première fois qu'on tire sur Nigel. Ah, ouais, pardon. J'avais pas fait attention. Et lui, qu'on lui tire dessus pour qu'il donne son nom. Hein. Ouais. Et tu vas pouvoir arriver effectivement devant. Je suis pas sûr qu'on retournera à la boutique. Hein. Non. Devant lui. Donc toi, la première avec la clé. Et il t'accueille, assez chaleureusement. Il dit, eh bien, bravo, la clé d'or. J'imagine donc que vous avez également les deux autres. Et puis se penche. Ah, je les vois qui arrivent. Attention, hein, parfois ça glisse le sol. Soyez prudents quand même, les jeunes. Quand vous êtes tous les trois là, il vous invite à nouveau à rentrer dans la boutique. À passer derrière le rideau et il vous fait un signe de la main. Vous retrouvez Nancy, là, qui a les yeux écarquillés, elle est surprise très... J'aurais croyé pas en nous. Très agréable. Bah, elle savait que l'épreuve complexe. Heureusement que vous étiez là, en vrai. On écarquille les yeux parce qu'on a de la moustache. Et bien, accessoirement aussi. Voilà. Ça comment fait ils ont si fait longtemps. Il y a 3 heures, vous aviez pas de moustache. Ça a dit, oh, le temps a pas dû passer. Une ça fait déjà 10 ans, Nancy. On est vieux maintenant. On est plus vieux que toi. Et vous allez, je suppose en tout cas, mettre les clés dans la... Bah oui. Oui, bah oui. Dans la serre. Bah non, on se barre. Vous délivrez Nancy qui se jette dans les bras de Lizzie. Oh, petit tata. Et Nigel affiche lui un sourire satisfait. D'avoir failli nous tuer tous. Il vous dit, bah, écoutez... Séquestrer une personne pendant longtemps. Oui. Écoutez, vous avez formé une belle équipe. Le Haut Conseil se montre satisfait, diverti. Ouais, bah... Lizzie a encore beaucoup à apprendre, visiblement, mais néanmoins,
Elle a su s'entourer d'un cadre favorable à l'apprentissage et de gens qui semblent savoir prendre les bonnes décisions, même quand ils ont des capacités qui dépassent la nature humaine. Le Haut Conseil a donc décidé de... Ah bon ? Ça dépasse la nature humaine. Certains. Ah. Certains. J'ai pas dit tout le monde. Mais vous ne manquez pas de courage, justement, aussi, avec vos limitations, pourrais-je dire. N'y voyez pas offense, mais... On vient de dire que j'étais limité. Et du coup, c'est qui a couru vers le supermarché pour aller chercher des armes et du sel sans rien dire à personne, comme ça, en mode ouais, c'est Noël. Il lève non, la. Pas dit c'est Noël. Il tend la main vers Lizzie et apparaît soudainement un diplôme. Ah. Wow. Lizzie Winter, j'ai la joie de vous annoncer que vous êtes officiellement magicienne aux yeux du Haut Conseil de la Magie. Okay. Tant que vous ferez un usage raisonnable et adapté limité aux situations nécessaires de la magie, vous ne risquez pas de nouvelles conséquences de la part du Haut Conseil. Vous avez un permis d'utiliser la magie de niveau 1, donc pour le moment celle que vous connaissez. Si néanmoins vous mettiez à entreprendre des rituels de magie suprême ou des choses peut-être au-delà du cadre moral, nous vous avons néanmoins tout de suite à l'œil. Les charges qui pèsent sur Nancy, si néanmoins vous rendez bien tous les objets qui ne vous appartiennent pas, Nancy, sont levées. Et du coup, Nancy, elle aura le droit d'utiliser la magie ou parce que c'est pas elle qui a passé l'épreuve? Elle avait déjà son diplôme, mais elle n'avait pas volé les livres pour apprendre aussi. Elle les avait pour son usage personnel. Elle peut donc rester à West Hill. Sa fuite n'est plus nécessaire. Jeunes gens, vous avez. Vous avez réussi avec brio cette épreuve qui montre aussi au conseil que vous semblez être les bonnes personnes pour constituer un nouveau groupe officiel d'éveillés capable de faire face aux dangers qui peuvent menacer le monde. Vous êtes désormais également considérés comme des protecteurs sous contrat officiel dû au conseil, et donc potentiellement les gens qui s'en prendraient à vous dans le cadre de vos actions de bien, pourrait subir les conséquences du Haut Conseil. Bon. Oh, super. Et quelque part, moi, dans ma tête, je me dis que c'est pas une mauvaise chose, mais en termes d'approbation, j'avais déjà celle de mon père, donc je m'en fous. Moi, j'aime bien. Et du coup, si on est dans le pétrin, ils sont au courant quand comment on peut les joindre ou... Ils nous regardent tout le temps. Globalement... Ils le sauront quand la trame magique est perturbée. Sachez que tout ce que vous avez entrepris d'ici là, depuis que vous êtes ensemble, n'a pas manqué d'alerter, d'attirer l'œil. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons, grâce à ça, que nous avons réussi à retrouver Nancy. Oui, d'ailleurs, du coup, vous êtes au courant de tout ce qu'on a empêché dans cette ville. Je suis au courant de tout, effectivement. Eh bien, écoutez, l'après-midi n'est pas terminé. Si vous souhaitez terminer vos emplettes, vous pouvez oui. Tout à fait. Juste question. Je sais pas si je peux garder les chaussettes ou si je suis fichée du coup dans le magasin. Vous pouvez effacer les bandes à tout hasard, c'est votre faute. Personne ne se souviendra de ce qui s'est passé ici. Okay. Moi, dans la dimension spatiale, j'ai volé l'amulette. Est-ce que j'ai toujours l'amulette? Est-ce que la vitrine est pétée? Est-ce que... Lui, par contre, effectivement, il va tendre la main. Par contre, ce qui m'appartient, chère Lizzie. Ce serait dommage qu'une nouvelle enquête pour vol s'ouvre immédiatement. Non, mais j'avais l'intention de la payer si elle restait. Le livre aussi? Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez la payer, écoutez, c'est la modique somme de 1500 dollars. Je suis pas certain que vous ayez ça
L'amulette dans votre escarcelle. Ouais, c'est le prix de la qualité, cher lycanthrope. Bon. Ouais, aussi étrange que ça puisse paraître, même s'il reste du temps dans l'après-midi, je me sens un peu fatigué quand même après tout ça. J'irais bien me reposer, moi perso. Moi j'ai pas de thune. Il va vous inviter à repasser le rideau. Ah. Okay. Vous allez sortir du magasin et on revient dans le centre commercial qui a repris vie, l'air de rien. Vous faites quelques pas dehors et soudainement quand vous vous retournez... Il n'y a plus de boutique. Exactement, vous voyez marqué All for Fishes. Une boutique avec de magnifiques aquariums pleins de poissons colorés. Wow. Et après, tu me l'as pas mis ça par contre, non? Non, effectivement, je l'ai oublié. J'ai suivi mon plan et effectivement, je ne voulais pas un logo où tu te dises, mais il est pas sur ton plan ce logo. Wow. Mais attends, moi, je comprends rien à ce qui se passe là. On se retourne et ça a disparu. Et ça a disparu. Tout à fait. Allez, il y a quelqu'un juste là pour attirer. J'ai envie d'essayer de comprendre, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, arrête, tu vas te faire du mal là. Mais non, mais. Eh ben, tu peux essayer d'enquêter sur un mystère. Moi, bon. Ça m'intrigue. On va faire un petit tour chez Carlos Burrito, ça t'ira mieux. Attends, d'abord j'enquête. Et question, c'est quoi comme magasin Green ça and Ça passe tout juste. Green and Cook? Green and Good, c'est un salade bar. Donc moi j'essaye de comprendre, ah c'est quoi, c'est, qu'est-ce que c'est que ce magasin là avec les poissons? Le magasin de poissons, t'as fait combien sur toi enquêté sur un mystère? T'as fait un 7. Et ben le magasin de poissons, ça a l'air d'être un magasin de poissons, tout simplement. Par contre tu vois... mystère résolu. Tu sens à ton flair de loup. Ah. Qui a un peu une... Il y a Anguille sous roche, finalement, dans ce magasin. Un peu comme avant l'orage. Il y a des gens qui peuvent ressentir l'air qui est lourd, etc. Un peu d'ozone. Et donc, tu te doutes qu'il y avait une très très forte magie sur place. Ah, on a tous les logos qui vont pouvoir défiler de tout ce que n'a pas été non, montré. C'est juste qu'on était en train de se décider entre Master Burger ou Carlos Burritos. Sinon, oui, je trouve le Master Burger un peu plus accueillant sur le logo. Je me suis un peu plus amusé sur celui-là. Non, on peut aller acheter du pain. Mais tu sens effectivement qu'il y a une magie très puissante. Bah déjà, il a réussi à faire venir Lexi en claquant des doigts. Donc quelque chose te dit que il y a des choses au-dessus de vous encore en termes de puissance magique. Il y a des gens qui ont... Voilà, vous êtes encore des petits bouts de chou. Vous pouvez acheter des crayons chez All for Office aussi, si vous voulez. et du coup, et ben voilà, sans... Tout simplement... Moi, je propose à Linus de retourner au magasin d'armes pour que je lui achète un grand couteau parce que je lui avais dit ça. Ok. Ah oui, je ne dis pas non. Et ben, vous allez pouvoir vous rediriger vers... le magasin Guns and Funds, qui est vraiment une fierté locale de l'Iowa. Et bah, c'est au moment où vous allez entreprendre vos emplettes que nous allons nous arrêter. Écoutez, merci à nouveau. Merci J'espère beaucoup. J'espère que ce petit programme, un petit peu différent des enquêtes précédentes, vous aura plu. C'était très cool. Ouais, c'est cool. J'aime bien les... Bon, il n'y a quand même pas de vrai magasin de magie. Ah ouais, si. Non, pas malheureusement, non. Donc, écoutez, j'espère aussi dans le chat que vous avez aimé cette petite nouveauté, renouvellement de la série. Et il y a Tata Nancy qui va maintenant pouvoir reposer ses valises à West Hill, aussi dans vos contacts. Gagner un nouveau PNJ. Ouais. Et du coup, toi, elle avait disparu depuis quelques temps, Tata Nancy Ma maman, elle habitait pas à West Hill, en fait. Donc, ouais. Parce qu'elle était déjà en vadrouille. J'allais pas forcément la voir et tout, mais ça faisait un moment que je l'avais pas vue, mais sans forcément m'inquiéter d'une raison particulière. Quoi. Tout à fait. Et okay. C'est pourquoi. Bon, bah très très cool. Écoute,
voilà. Merci, ouais. Merci à tous. Merci quelle à ceux qui nous sur ont quelle famille, la prochaine suivi. Fois merci à tous. Je ne sais pas encore, mais il y aura quelqu'un d'autre il va passer la casserole. Les lycanthropes, hein, qu'on n'a pas encore exploré, donc. Tout à fait. Donc, sachant qu'il me semble que Lexi elle devait avoir une conséquence des... liée à sa chance la dernière. Alors, elle a eu une vision d'un moment où elle devra se jeter pour sauver Lizzie. Le moment n'est pas encore venu. Oui, puis quand j'avais fait la partie du camp, il y avait quelqu'un qui lui avait dit. Effectivement, il y avait visiblement une autre divine qui lui avait dit. Ouais, Sarah Michelle Gellar qui était une vraie divinité quand on était jeune. Voilà, donc le temps a un petit peu dépassé, donc on va pas vous garder plus longtemps. C'est le non linéaire est un petit peu plus dur à timer, mais néanmoins, bah écoutez. Je remercie tout le monde. Voilà, plus qu'à vous dire un dernier mot. Merci de nous avoir suivis aussi aux spectateurs. Merci beaucoup. On se retrouvera sûrement prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, comme on le dit ici, comme je l'ai bien appris de notre cher Goldie, prenez soin de vous, portez-vous bien, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Yes. Au revoir. Il apprend à bonne école. Les jetés sont Les dés sont jetés. Des bisous.